Sartorius Digne Bioprocess, c'est une entreprise multinationale allemande fondée en 1870. En fait, elle a deux volets de fabrication, un volet mécatronique spécialisé dans la fabrication des balances à précision et un volet biotech spécialisé pour les produits à usage unique biopharmaceutique. Alors, le projet a été initié en fait à partir de 2019. Donc, on a commencé à faire les études, on a en fait construit une double salle blanche en hauteur. On a construit un ensemble de bâtiments couverts à peu près de 4000 mètres carrés. Nous sommes devenus un site phare dans la fabrication des produits à usage unique destinés pour les laboratoires de recherche, à savoir AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson. Et voilà, actuellement, on a une superficie globale de 18 000 mètres carrés couverts. Nous avons plus que 600 employés dans notre entreprise, avec un taux d'encadrement qui a dépassé les 35%. Nous avons aussi développé un département informatique qui est utilisé pour tout ce qui est helpdesk, tout ce qui est usage pour le développement de l'IT en Tunisie. Nous avons aussi implémenté des laboratoires de final release et des équipements de pointe, à savoir des produits biocharge, LL et particules. Donc, on est très très fiers de ce prix-là. Franchement, je voudrais remercier la FIPA. Je voudrais aussi remercier énormément la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et éventuellement, je voudrais remercier l'ambassade de l'Allemagne en Tunisie pour leur engagement et leur soutien tout au long de ces années. Le prix, en fait, il reconnaît le travail acharné de toute l'équipe sur l'aspect, la mise en place aussi de l'industrie 4.0, la digitalisation de notre processus de fabrication. On est le site pilote et le seul site dans le groupe Sartorius à avoir une salle blanche 100% digitalisée. Pour fabriquer des produits en salle blanche, il faudrait minimiser le nombre de particules. Donc, qui dit nombre de particules, dit minimiser l'utilisation du papier en salle blanche. Du coup, on a pensé à digitaliser donc notre processus de fabrication, de la partie planification jusqu'à la partie final packaging. Sartorius Tunisie, bon, je veux parler de Sartorius en globalité. On a un très très grand projet d'internalisation de la partie stérilisation. Malheureusement, en Tunisie, on n'a pas une plateforme de stérilisation Gamma. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de plus pour qu'on puisse attirer les investisseurs en Tunisie. Je pense, à mon sens, il ne faudra plus parler de la proximité de l'Europe, le main-d'œuvre qui est relativement. Le coût de main-d'œuvre qui est relativement faible, je pense qu'il faudra mettre en place des projets à très haute valeur ajoutée comme l'implémentation de la plateforme de stérilisation Gamma.